Bonjour. Dans Game of Thrones, il y a toujours des jeux de trônes, des mystères et plus encore. Il y a aussi des liens qui se forment au fur et à mesure que de nouvelles séries arrivent, et si, bien sûr, George nous pond ses livres. Alors, la question qui reste est la suivante. Qui est la corneille à trois yeux dans Game of Thrones? Eh ben, je vous en parle avec les yeux ouverts, et c'est juste après ça. Donc, Game of Thrones n'a jamais révélé l'identité de la corneille à trois yeux, mais une théorie est qu'un Targaryen détenait le titre avant Bran Stark, ce qui est en fait soutenu par certains détails des romans A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin. Le prédécesseur de Bran était le dernier humain verdoyant vivant au-delà du mur avec les enfants de la forêt. Interprété par Max von Sydow dans la saison 6, la corneille à trois yeux guide Bran Stark dans la grotte où vit son corps humain avant de lui enseigner la sagesse qui accompagne leurs dons. La corneille révèle qu'il a vécu pendant plus de 1000 ans, bien qu'il ait eu de nombreux prédécesseurs qui ont également transmis la magie de la vision verte. Dans sa formation, Bran voit toutes les chronologies et tout ce qui se passe en même temps, y compris l'histoire derrière les Marcheurs Blancs, le mariage de Lyanna avec Rhaegar et comment Willis est devenu Hodor. Bien que la corneille à trois yeux ait été un aspect important de l'arc de caractère de Bran, Game of Thrones ne donne jamais d'indication quant à sa véritable identité. D'un autre côté, les livres qui se réfèrent au verre-voyant comme la corneille à trois yeux suggèrent qu'il était en fait Bryden Rivers, un grand bâtard de la maison Targaryen. Lorsque Bran, Hodor, Main Froide, etc. atteignent la grotte, la corneille dit qu'il était autrefois un seigneur nommé Bryden. Le seul Bryden notable dans sa chronologie et ses détails correspondants aurait été le fils bâtard d'Aegon IV Targaryen. Dans les livres, la corneille mentionne également qu'il avait une femme qu'il désirait, un frère qu'il aimait et un frère qu'il détestait, qui correspondent tous aux antécédents de Bryden Rivers. Tout cela s'est produit bien avant la chronologie de Game of Thrones. En fait, dans la lignée familiale de Bryden Rivers, on peut retrouver Rhaenyra et Daemon Targaryen de la Maison des Dragons. Bryden était le fils bâtard du petit-fils de Rhaenyra et Daemon, le roi Aegon IV, par la sixième maîtresse de celui-ci, Lady Melissa Blackwood. Et comme sa mère était légalement de haute naissance, il a obtenu le titre de grand bâtard. Bryden a finalement été légitimé par son père en 184 avec ses autres frères et sœurs bâtards comme Aegor Rivers qui a ensuite fondé la Compagnie Dorée. Il détenait de nombreux titres, dont celui de la main du roi d'Eris I et Maekar I, bien qu'il ait été banni plus tard, puis envoyé dans la garde de nuit par Aegon V. Le frère qu'il détestait était Aegon Rivers, la femme qu'il admirait était sa demi-sœur Shaera, et le frère qu'il aimait était le roi d'Aeron II. Environ 50 ans après la chronologie de House of the Dragon, le premier surnom de Bryden était Lord Freusanglant, après une tache de naissance sur sa joue qui ressemblait à un corbeau dessiné dans le sang. Son groupe de garde personnel était également appelé les Dents de Freux, dont beaucoup l'ont suivi en prenant le noir. Tout en détenant son titre de main du roi, il a également été maître des chuchoteurs, ce qui a été attribué à ses petits corbeaux et à ses nombreux yeux, mais plus justement en raison de sa vue verte. Bryden a fini par devenir Lord Commander de la garde de nuit en 239 AC, mais a disparu 13 ans plus tard lors d'un voyage déchaîné au-delà du mur. Date à laquelle la théorie indique qu'il est resté pour devenir la corneille à trois yeux. Les détails des origines de la corneille à trois yeux ne correspondent pas exactement à l'histoire de la maison Targaryen dans les romans, car la corneille a vécu pendant 1000 ans et Bryden est né en 175 AC, seulement 125 ans avant le début de A Dance with the Dragons. Cela dit, il se pourrait que la corneille à trois yeux ait dit que le titre existait depuis plus de 1000 ans, transmis à chaque nouvelle génération, conformément à la façon dont l'obtention du titre a changé la perspective de Bran. Quoi qu'il en soit, les liens entre Bryden Rivers et la corneille à trois yeux de Game of Thrones ne peuvent pas être une simple coïncidence. Et finalement, quand on regarde les séries, la prophétie des Marcheurs Blancs d'Aegon pourrait expliquer le lien Targaryen-Corneille. House of the Dragon a lancé une bombe sur le public lorsque la série a révélé que la prophétie, A Song of Ice and Fire, s'était révélée être le rêve d'Aegon et que la révélation avait été transmise de Targaryen à Targaryen. Cela signifie que la famille était au courant de la prochaine menace des White Walkers à venir. Cela explique pourquoi ils se sont battus si dur
pour garder la lignée sur le trône, étant donné que les dragons sont leur seule défense apparente contre les marcheurs blancs. Cependant, les Targaryens sont une maison assez rusée et ils auraient su que les dragons n'auraient pas pu être leur seul moyen de contrer le roi de la nuit. Donc, en envoyant Bryden au mur, cela aurait accompli deux choses pour la maison des dragons. La première est que cela aurait été une force défensive du point le plus au nord de Westeros, et avoir la corneille à trois yeux là-bas aurait signifié que toute attaque à venir aurait été prévue et que des préparatifs appropriés auraient pu être faits. L'autre réalisation serait de retirer rapidement un bâtard de la famille. Le traitement des bâtards par la maison Targaryen est assez désastreux, et les dernières prophéties de la série ne font que donner du crédit à la théorie de Bryden. Et en fait, ce qui est fou avec tout ça, c'est que ça rendrait la haine du roi de la nuit encore plus profonde. La corneille à trois yeux, étant un descendant des Targaryens de la maison du dragon, soulignerait à quel point le roi de la nuit détestait la corneille parce qu'il est la mémoire du monde. Les deux se sont non seulement connus, mais se sont également combattus dans le passé, proche et lointain. Dépositaire vivant de la mémoire collective de Westeros, la corneille à trois yeux savait exactement ce qu'était le roi de la nuit et comment le vaincre. Il était le seul capable d'avertir le continent de l'attaque imminente des marcheurs blancs. Confirmer un lien entre les deux émissions via la corneille à trois yeux rendrait la détermination du roi de la nuit à le tuer et Bran Stark incroyablement plus profonde à regarder lors d'un revisionnage de Game of Thrones. Comme la lame qu'Arya a utilisée pour tuer le roi de la nuit, le poignard à pattes de chat de House of the Dragon, qui contenait également secrètement la prophétie d'Aegon, la corneille à trois yeux étant en fait Bryden Rivers, renforce finalement le lien entre la maison Targaryen et les marcheurs blancs. Game of Thrones, jusqu'à la toute fin, est notamment resté flou en matière de configuration pour la prophétie. Avec la série préquelle remplissant les blancs, la saison 2 de House of the Dragon pourrait en dire plus sur la corneille à trois yeux et peut-être Bryden alors que la série monte plus loin dans l'arbre généalogique de la maison Targaryen. Si la corneille est effectivement très vieille, donc, eh ben elle est forcément quelque part. Alors, d'après vous, est-ce qu'on verra la corneille à trois yeux dans House of the Dragon? Et aimeriez-vous en apprendre plus à son sujet? Réponse dans les commentaires, et merci d'ailleurs, et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la vidéo. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle, et bisous bisous, et bye bye.